Bonjour, c'est Larage et bienvenue pour cette nouvelle partie de Final Fantasy IX. Si vous voulez en savoir plus sur les précédentes parties, n'hésitez pas à consulter ma playlist FF9. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner avec la petite cloche pour les notifs. C'est parti! Bon, en fait, c'était bien. J'étais bien comme j'étais. Faut aller bien sur l'ombre noire, mais faut appuyer sur triangle juste au-dessus de l'ombre noire en volant, pas sur le sol comme j'avais fait. Comme ça, il va voler jusqu'au jardin des chocobos. Je sais plus c'était quel îlot. Ça y est. Paumé. Voilà, c'était là. L'ombre noire est là. Donc il faut aller faire comme ça et taper au-dessus et. Attends. Hop là, voilà. Putain. On redescend ou t'as encore quelque chose à faire? Bon bah on reste hein, parce que normalement moi ici j'ai... trois chocographes à trouver. Ok. Tac. Ah, vous avez vu? On dirait une île volante, Kubo. Ça changerait peut-être de place quand on redescendra, Kubo. Si on veut revenir, faudra regarder la carte en appuyant sur pavé tactile. La surface a l'air assez dure. Vraiment mystérieux cet endroit, Kubo. Moi, c'est toi que je trouve assez mystérieux. Vas-y, on creuse. Rien du tout. C'est génial. Ouais. Dépêche-toi de descendre, s'il te plaît. Si j'avais le temps là. Un carte chocographe, ok, c'est bien. Hop, piment, très bien. Allez! Voir s'il se fout pas de ma gueule ce mode là. Hop. Zik, c'est la merde. Ok.
Tu vois, tu te fous de ma gueule, ça vient de tes mugs là. C'est une gêne, mais je m'en fous. Yes! Putain! Secondes, mais c'est quoi 10 secondes? Vas-y. T'as vu tout le chemin que j'ai à parcourir là? C'est quoi 10 secondes là? Truc. Regarde. 10 secondes, c'est le temps que j'aille de l'autre côté là. Ça pour 50 guilds quoi. Merci. Je suis trop riche. Là, il y a encore un chocobar pas trouvé. Gueule le mug là. Allez, suivant. Aïe! Putain. L'autre. Second Gill et Chocobar. Voilà. Je vous dis que vous avez déjà tous les chocographes d'ici. Maintenant, vous devriez pouvoir aller dans un paradis inconnu. Je pense que Choco veut y aller aussi, lui. La clé, c'est du piment en coup. À mon avis. T'as l'air pas sûr, mais... On va dire que c'est ça. Ah bah vas-y, on redescend, on va chercher les chocographes, là. Hop, quand vous descendez, bah, le nuage n'est plus là, forcément. Là, le jardin de Chocobo, ok. Donc, il est au milieu de l'océan. Donc, ce que je disais, c'est déjà, on va voir les chocographes. Les 24 chocographes là. Là, il est externe 1. Il est externe 1. 21. Oh, ça va, c'est tout près. Et si je tombais, ça me ferait vraiment peur. Ok. Donc, d'après le plan, tac, faut voler. Sur cette île là, voilà, ça ressemble. Tac, on pose. Ah, c'est par là. Voilà. Du coup, trouver un trésor. Ok. Hop, obtenu améthyste. Obtenu grenat. Obtenu code Kenji. Ragnarok, cool. Ensuite, île des fées. Île des fées. 23. 23. Ok, c'est à peu près au milieu.
de refouiller les endroits où tu ne peux pas aller. Ok. Donc on va se redécoller. Donc si je fais comme ça, tout droit. C'est la montagne là, ok. On se pose là. Toc. Là, par là, ok. Hop, c'était en bas de la montagne, ok. Obtenu potion, j'en ai déjà. Obtenu 10 embrouilles, ok. Obtenu calotte. J'ai envie de mode calotte. Obtenu carte H espace, ok. Impossible d'avoir plus de 99 potions, ouais. Ok, donc ensuite, dernier. Il oubliait. Donc le 24. Ok, c'est vers l'île de lumière. Celle qui ressemble le plus à la photo. Ah, c'est là. Tac. Ah, c'est par là. Ok. Hop là. Et voilà, dernier trésor. Hop. Obtenu ruban. Obtenu métepsy. Obtenu améthyste. Carte arc. Voilà, j'aurais tout fait. Tous les trésors des chocobos. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux aller voir le paradis des chocobos hein, au nord-ouest de la carte. Ah ben allons-y. Nord-ouest de la carte. Nord-ouest. Il y a ça hein, qui dit ça. Nord-ouest de la carte, ok. Carte, ça a l'air d'être là.
Non, je sais pas, ça ressemble. Si ça ressemble au plan. Ah d'accord, utiliser un paiement pour y pénétrer. Ok, donc ah oui, il y a une fissure là, ouais, je vois. Il y a ça là, c'est une fissure, donc là, hop, piment. Si, non? Là. Ah, la petite faille est devenue grande. Les fonds sont accessibles maintenant. Oui. C'est ça le paradis, Kubo? Mini, depuis quand tu... J'avais l'impression que vous alliez le trouver. Alors je vous ai suivi, Kubo. Ingrat, Kubo. Pourquoi ça? Victoire. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Faire le tour, hein. Ah, puis en plus, on peut jouer aux cartes avec les chocos. Ouais! Tiens, on joue aux cartes. Vas-y, joue aux cartes. Non, même pas. Vas-y, pas. Hop. Te voilà enfin, Choco, le nostalgique. On m'appelle Gros Choco, je suis le maître de ces lieux. Tu voulais venir sans l'aide de quiconque, mais tu es redevable envers ces gens. Je ferai en sorte qu'ils comprennent mes paroles pendant leur séjour ici. Quoi? Compagnon de Choco? Choco va rester ici, vivre parmi nous. Vous devriez lui dire adieu. Quoi? Je m'appelle Méné, je vais vivre ici, Kubo. Petit être. Kubo! Seuls les chocobos peuvent vivre ici. Mais je... Il n'y a pas d'exception. Choco! Avez-vous fini vos adieux? Pas en Kubo. Choco a encore des trésors à découvrir, Kubo. Choco! Voulais-tu des amis? Te reste-t-il des choses à faire? Quoi? Alors, va les finir. Prépare-toi à la vie que tu auras ici. Je rentre, Kubo. Je t'attends au même endroit que d'habitude, Kubo. Ok. Bah du coup, on peut pas jouer aux cartes avec Chocobo là. Quoi? 10 du piment coup, là où jaillit l'écume, permet de faire de bonnes prises. Ok. On veut jouer aux cartes? Yes. Super! Vas-y, maintenant j'ai des bonnes cartes là. Nique sa mère. J'ai des cartes de merde, je sais pas pourquoi. Mais... Je veux dire que c'est bon. Thank you.
Ah, ça en pose, ok. Hop, zombie, diabolique, chaline. Non, je veux pas. Allez, 90. Il m'en reste encore 10 pour avoir le trophée. Vous verrez tout du jeu au cartes, oui. Ok. Par là, il y a rien d'autre. Non, je peux accéder qu'au truc qui est en volant. Hop là. Glacier de chidance sur le continent fermé et plein de crevasses. Ok. Il y a beaucoup d'écume entre le continent extérieur et le continent fermé. On joue aux cartes, yes. Super. Allez, on continue le même deck. C'est mieux quand on a les bonnes cartes, hein, putain. Je peux vous donner autant de piments coco que vous voulez. Grâce aux piments coco, on trouve souvent les trésors enterrés depuis très longtemps. Okay. Voilà. Attaque le roc avec ton bec, nage dans les océans infinis et lance-toi dans les cieux. Grâce à ses pouvoirs, ta route sera parsemée de trésors. Nous t'attendons ton retour parmi nous. Vas-y. Il y a longtemps, un voyageur m'a enseigné les règles. Oups.
Hop là. On dirait qu'il y a des crevasses dans les montagnes du continent oublié à l'est de la passe de Sir Wales. Là, il donne des indices en fait sur les endroits où il faudra fouiller. Donc, les criques de la pointe du sud du continent oublié sont pleines d'écume. Okay. Je regarde, yes. L'humain qui m'a appris s'appelait Ibsen. Ah bah il est venu jusque là le mec. Putain, je t'ai juré. Allez, on va prendre ça, 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 et puis pour changer. Ça, Alexandre. Tac. Je saisis pas très bien les règles là-dessus. Voilà, celui-là, il est délogé. Au nord du continent extérieur, il y a une île longue et étroite, elle est très montagneuse et on entend des drôles de voix qui font Kubo. Entre le continent de la brume et le continent extérieur, la mer est très écumeuse. Allez voir. On joue aux cartes, vas-y. Donc ceux-là qui donnent les indices. Allez, on va aller faire autre chose. Hein. On reviendra une autre fois. Thank you.
besoin des chocograppes maintenant. Ok, donc ensuite, ce que je vais faire, je vais faire la quête des gentils monstres. Parce que dans toute l'aventure, il y aura des monstres sympas à qui il faudra donner des joyaux, des gemmes, des émeraudes, etc. Ça dépend de ce qu'ils demandent. Faut surtout pas leur botter le cul, parce que sinon, après, ils ne reviennent plus jamais de tout le jeu. Et si vous leur donnez ce qu'ils veulent, ils vous donneront des CP, voire même des beaux objets. Donc c'est vachement cool de les avoir. Vu que j'en ai croisé dans les parties, donc je suis obligé de reprendre des anciennes sauvegardes pour vous montrer les premiers. Et ensuite, je vous montrerai comment avoir les suivants. Normalement, il y en a 10 à trouver. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est parti! Alors, le premier monstre gentil est Escuriax. Il se trouve près de Dali. Et lui, il faut lui donner une gemme. Alors voilà, on est dans objet. Gemme sur Escuriax. Merci. Et nous aurons aussi un fantôme. Voilà, et lui, il donne 10 CP. Et une potion, apparemment. Alors, le deuxième monstre gentil est Fantôme. Il se trouve près de Traîneau. D'après le guide, il est très rare à obtenir, donc il vaut mieux l'avoir quand vous avez Grenat au début du disque 2. Donc lui, il faut lui donner une gemme. Tac. Oh, vous êtes très gentil. Donnez-en aussi à Mistoxy. Hop, lui il donne 10 épées. Et une massive potion. Alors, le troisième monstre, c'est Miscoxy. Il se trouve près de la forêt des mages noirs ou près de Condéa, ça dépend. Dans cette région là, donc lui, faut lui donner 2 gemmes. Tac. Merci beaucoup de nous annoncer à Monsieur Yeti. Donc lui donne 20 CP. Et un éther.
Alors, quatrième monstre gentil, Yeti. Il se trouve dans une forêt près de Madain Salé. Et lui, il faut lui donner 2 gemmes. Gemmes. Merci à vous. Donnez-en aussi à neuf. Lui donne 20 CP. Et un élixir. Alors, prochain monstre, c'est Nymphe. Elle se trouve dans une forêt tout près de l'Ifa. Elle, il faut lui donner 3 gemmes. Tout de suite, madame. Yo, merci bien. Les anciens à Java. Elle donne 30 CP. Et une émeraude. Alors, le prochain monstre, c'est Jabba. Il se trouve près d'œil vert. Enfin, dans une forêt près d'œil vert, mais sauf qu'il faut avoir au minimum un chocobo rouge pour y accéder. Donc lui, il demande l'émeraude que nous a donné la nymphe. Hop, on va lui donner. Amanta! Ok, c'est tout. Lui donne 40 CP. Et une Nulanite. Alors, le prochain monstre est Manta. D'après le guide aussi, il est très rare à trouver. Il se trouve près de Gaza Est. Lui, il faut lui donner ben, justement le Nunavut que nous a donné Jabba tout à l'heure. Donc, Nunavut. Ok. What the fuck? T'étais où? Alors, putain. Le rangement, c'est maintenant. Merci beaucoup. Avez-vous déjà vu Garuda? Lui donne 30 CP. Et un lapis. Alors le prochain monstre gentil se trouve en haut de cette liane là, dans la grotte de Gizmar. Et vous vous souvenez de ces deux mugs là, qui voulaient se marier? Ben ils ont fait des petits!
c'est trop mignon. Hop, et puis en plus il me faut Kubo, Kubo, Kubo. Ah, allez, on monte là-haut. C'est dangereux dehors. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Big Dragon. J'en parlerai une autre fois. Pas la musique. Alors, voici le Garuda. Comme j'ai dit, vous pouvez l'avoir soit en grimpant sur la liane ou bien avec un chocobo rouge. Hein. Donc lui, il faudra lui donner le lapis. Donc lapis, tac. Donc lui il donne 40 CP. Et un diamant. Alors, prochainement c'est Belhamel. Alors lui, il faut avoir les 8 autres monstres avant de le trouver. Et il faut avoir le chocobo doré parce qu'il se trouve sur une île tout proche de l'Ifor. Alors lui, il faut lui donner le diamant. Ouais, ça. Diamant. Merci à vous. Je vous ai aidé à atteindre... J'ai pas vu le reste, désolé. Là, il y a 50 CP. Et Rosetta. Donc voici le Big Dragon. Lui il donne des points. Et on peut le tuer en un coup. Grâce à Hades. Hop, 8000 points d'XP, donc c'est la compétence niveau plus, hein. Ben, ça augmente plus vite, forcément. Hop. Vous pouvez trouver ce monstre en haut de la caverne de Gizmar, en haut de l'alien, où le mog vous dit ah, attention, c'est dangereux. Donc
J'avais eu donc l'Hadès, il me semble, la 44e partie, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc au tout début de la 44e partie. Donc c'est ça qu'il tue en un coup, vous voyez, qui donne pas mal d'XP et beaucoup de guilds. Ah, et voilà le faux gentil monstre qui demande des diamants, mais sauf que vous entendez la musique, c'est la musique de l'attaque, donc lui, il faut lui botter le cul. Miaou! Hop, après, au chaos. Et voilà, c'était les gentils monstres. Ah, si vous avez compétences plus riches avec Dani, eh ben, vous voyez qu'il coûte 7500 guilds. Le gentil monstre. Enfin, le faux gentil monstre. Hein. Donc oui, pour le trouver, j'ai pas précisé, il se trouve au sud du continent oublié. Pareil, pour l'avoir, il faut avoir au moins Chocobo doré. Hein. Voilà. C'est tout, maintenant je peux reprendre mon aventure et rager, surtout. Ça le plus important, la rage.
Gimcat. Ou Gimcat. Je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, voilà. C'est tout pour les gentils monstres. La prochaine partie, on continuera l'aventure sur Terra. Planète mère. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine partie. D'ici là, rappelez-vous que la rage, c'est nous.